Et salut tout le monde et bienvenue dans le 7ème épisode du Let's Play de Spyro 2, Riptos Rage, Getaway to Glimmer, version Reality Trilogy sur PS4. Bon, vous avez l'habitude de mon introduction à rallonge à force. Alors, donc dans cet épisode, nous n'allons pas traîner puisque la dernière fois, on avait complété à 100%, comme vous pouvez le voir, le niveau des tours Aquaria, c'était le niveau qui nous restait... à faire... afin de débloquer l'accès au boss. Et maintenant, étant donné que cet accès est débloqué, et bien nous allons nous empresser d'aller affronter ce boss. Enfin, il s'arrête à gauche. Mais putain, c'est pas possible, j'ai toujours ce bug à la con. Alors allons-y, ne traînons pas. C'est par là. Ah oui, on entend toujours la boule qui rebondit, hein, n'oubliez pas, ici c'est les petits joyaux qui manquent et la boule qui rebondit, qu'on ne pourra choper que quand on pourra grimper à cette échelle qui est là-bas. Parce que pour l'instant, Spyro, il a des trop petites pattes, il peut pas grimper. Oui, j'aime bien tuer du mouton en route, ça m'amuse. Ça m'amuse. Mais j'avais ouvert la porte la dernière fois. Bien joué, Spyro. Maintenant que tu as les 6 talismans, la porte va s'ouvrir. Attention, la porte va s'ouvrir et révéler le grand secret de la forêt d'été. Un puits sans fond, oui, c'est ça le grand secret. Alors nous apprêtons à affronter notre premier boss. C'est parti. Avant d'arriver au donjon du château, Spyro, je pense que tu devrais savoir comment Ripto et ses monstres sont arrivés à Avalar. Tu vois, la semaine dernière, dans la toundra, le professeur travaillait sur une nouvelle technologie de superportail. Bon, le dernier orbe est en place. Alors voyons, il ne nous manque plus que des coordonnées. Bon, pourquoi pas 2-2-4-7-5. C'est mon anniversaire. Non, chasseur, arrête. Quoi? De dragon. Merveilleux. Crash, retourne faire mes valises. On emménage ici. Dites bonjour à votre nouveau roi. Professeur, fermez-le, vite. Seigneur, seigneur, je ne vois pas le bouton. Je crois bien que j'ai cassé mes lunettes. Crash, casse le portail, espèce d'idiot! Dis à tous tes amis de prendre les orbes et de les disperser dans Avalar. Vite! Non! Calme! Crash! Prenez les orbes, vite! Ah, méprisable petite créature! Je vais te tuer! C'est une mauvaise nouvelle pour Avalar. Chasseur, tu aurais dû le poursuivre. Oui, je me serais bien lancé à ses trousses, mais... n'a-t-il pas mentionné le fait qu'il n'aime pas les dragons? Professeur, peut-on trouver un dragon pour nous aider? Oui, probablement. Nous avons besoin d'un monde dont l'alignement convient mieux à l'interception d'une de ces créatures. Pourquoi pas Lueur? Avril 75, mais putain, t'es vieux, chasseur, hein. Ça te fait quoi, là? Attends que je compte vite fait. Ça te fait au moins 45, ça te fait genre 44 ans, je crois, si je fais pas de bêtises dans mes comptes. Alors, nous allons affronter Crush, le premier boss. Sinon, sympa, le petit bug de la musique. Alors, donc, je vous le dis déjà de but en blanc, il y a un point de compétence qui consiste à ne pas se faire toucher. Exactement comme dans le premier, finalement. Voilà, vous l'avez vu, cette première étape est assez simple.
Ouais, bon, sauf que quand il est pas... On peut pas le... l'avoir quand il est sur des dalles. Et merde, je me suis fait toucher. Évidemment. Alors il me semble qu'en plus du point de compétence, parce que là, en fait, je peux choisir. C'est là, vous voyez, il y a un mouton, là. Donc le mouton pourrait me permettre de récupérer de la... récupérer mon Sparks en jaune. Le problème, c'est que si mes souvenirs sont bons, il y a aussi un trophée PS4 qui consiste à vaincre ce boss sans tuer les moutons. Et le problème, c'est que je ne sais pas si le fait de tuer le mouton en remettrait mon Sparks jaune et me permettrait de tricher sur le point de compétence et... Donc bah tant pis, je pense que je vais opter pour le... Et non, je ne peux pas l'avoir quand il est... En fait, quand il est sur les dalles, je ne peux pas l'avoir. Hop. Sinon, y'a rien de bien compliqué. J'avais oublié qu'il me poursuivait au bout d'un moment. M'arrête de me poursuivre. Ah d'accord. En fait, fallait que je l'incite à frapper. En le laissant venir assez près de moi, en fait. Oh putain. Oh, il fait trois fois maintenant. Non mais le pire c'est que ça me fait chier parce que je me suis fait toucher bêtement alors qu'en réalité il n'y a rien de franchement dur. Ah merde, c'est mis au milieu. Bon, je sais pas si ça a vraiment une importance que ce... Non, je suis... Oh putain, j'étais trop loin, tu rigoles. Voilà. Encore un coup et il est mort. Mais la question que je me pose c'est... Oh merde, j'ai tué le mouton. Espèce de nouille. J'ai tué le mouton sans le faire exprès. Voilà. Battre ce demeuré, mais Gulp sera un adversaire bien plus coriace. Faites ton mieux, mon gars. Ah, ah, Gulp, viens tout de suite. Détruis-le et que ça fasse mal. Toi, Gulp, sors-moi de là. Adieu, dragon. Quelle mauviette. Ouais. Bah j'ai l'impression que j'ai eu ni le point de compétence, ni le trophée, comme ça c'est fait. T'es obligé de mettre cet effet de lumière bizarre autour de Crush là. Les temps de chargement qui durent 30 000 ans. Nous voici. Ce ripto a causé assez de dégâts. Ces petites phrases que m'ont coûté une fortune. Sans l'aide de Spyro, je serais ruiné. Oh, si Ripto était ici, je lui dirais ma façon de penser. En fait, j'irais même beaucoup plus loin. J'ai été champion de boxe poids bantoum à l'université. Je ne suis pas encore rouillé. Prends ça. Et ça. Non. Quoi? Pourquoi? Toi. Oui, bon, très courageux le gros sou. Ah, le son a disparu. Et il est de retour, le son. Non mais super, hein. Non mais j'ai eu ni l'un ni l'autre, quoi. Bon, ce qui veut dire que contrairement à Spyro 1 où dans les niveaux de boss, si on se rechargeait jusqu'à avoir le Spyro jaune, le Sparks jaune, ça marchait. Mais là dans le 2, non, on ne triche pas. Si tu t'es fait toucher, même si tu te recharges, tu n'as pas le parfait. Ce qui est assez logique en fait, hein, finalement, ça, c'est assez logique. Enfin bref.
Donc nous voici au bout de 12 minutes de vidéo, même pas, puisque si j'enlève le temps où j'ai le temps qu'il faut couper en début de vidéo, je suis plutôt dans les 10 minutes là. Enfin bref, donc nous voici dans le second monde qui s'appelle les plaines automnales. Voilà. Et nous avons 400 joyaux à prendre. Et il me semble qu'on peut avoir le 100% dès le premier passage. Donc on y va. Nous allons en même temps découvrir les niveaux qui nous attendent pour les prochaines vidéos. Donc nous avons le glacier de cristal. Et fait briller moins fort les lettres, on a du mal à lire. Ah, j'aime bien la musique que ça fait quand je cours, c'est rigolo. Alors, faisons bien attention aux joyaux qui pourraient être planqués dans l'herbe. Ah, nous avons la terre de Skelos. On a aussi la petite piscine pour choper quelques joyaux. Vous imaginez, mine de rien, avec tout ce que j'ai dû payer à gros sous, regardez la différence, quoi. 3064 joyaux que j'ai pris en tout, et j'en ai que 1900 sur moi. Ah, un petit papillon bleu. Pour une vie, je dis pas non. Le port de brise. J'aime bien quand il meurt, mais... Ah, il y a aussi des grenouilles pour récupérer des papillons maintenant. Tiens, le revoilà notre copain. D'après la légende, il y a ici un portail vers Zéphyr. La légende prétend aussi que je sais comment l'activer. Et qui plus est, la légende dit que pour que j'active le portail, il y a un coup. Ouais, ouais. Et tu sais ce que je lui dis, moi, à ta légende? Tiens, et si je dis non, qu'est-ce qu'il dit? Bon, tu pourras revenir t'instruire plus tard. Mais si tu savais les trésors qu'il y a à Zéphyr, tu paierais le double de ce que je te demande. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je veux pas... Non, mais je veux pas regarder, je veux te payer. D'après la légende... Oui, d'après la légende, ferme ta gueule, la légende. Merci pour les gemmes, Spyro. Avec tout cet argent, je vais ouvrir une charcuterie de viande lézard dans la terre de Skelos. Ouais. Et est-ce que la légende, elle dit que je vais te botter les fesses? Allez, Zéphyr, encore un autre niveau, donc voilà, bon, mon nombre de joyaux va encore baisser. Ah tiens, salut, Laura. Bien joué, Spyro. La puissance de tes orbes a activé le tourbillon. Ouais, j'ai activé le tourbillon. Ah, bon, j'ai vu le joyau, là. Ah, bah, d'ailleurs, il y en a plusieurs, ici. Et j'ai oublié de faire ce petit coin. Et il y en a un autre, là. Et ici aussi. Bon, pour l'instant, je vais pas aller là-bas. De toute façon, regardez, il y a une échelle et il y a un gros sou en bas. Oui, oui, gros sou est omniprésent dans ce jeu. N'oubliez pas que gros sou est omniprésent dans ce jeu. Ne l'oubliez jamais. Donc, ben, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Hein. Ah, j'ai oublié un joyau là. Deux même. Vous avez vu, on a vite fait d'en oublier. Hein. On a vite fait d'oublier. Hein. Voilà. Ensuite, on va monter grâce à notre tour. Bien joué. Mais je m'en fous, je veux pas te reparler. Je veux monter sur le tourbillon, espèce de nouille. Ah, circuit métro. Le circuit de ce monde. C'était juste pour ça. Bien joué, Spyro. Mais je veux pas te parler. Le tourbillon. C'est bon. Allez, allons voir notre copain gros sou. Comme je vous disais, je vous laisse deviner ce qu'il va nous proposer. Ah, ici c'est le portail pour accéder, pour revenir au premier monde. Je suis sûr qu'un riche dragon comme toi n'hésitera pas à payer quelques gemmes pour apprendre à grimper. Voilà. Je suis prêt à te l'enseigner pour, disons, pas grand chose. Pas grand chose. 500 gemmes. Bon, 500 joyaux, comme vous voulez. Tu ne le regretteras pas. Et quand tu penses voir une surface ou un mur qu'on peut escalader, comme à ma gauche, là, saute dessus et tu la gripperas avec tes griffes. Tu peux monter et descendre. Appuie de nouveau sur sauter pour te décrocher. Tu peux aussi sauter latéralement vers une autre surface. Oui, une surface des échelles, quoi. Voyez, maintenant qu'on a payé, bizarrement, nos griffes nous permettent de nous accrocher maintenant. Voilà, comme ça.
Oh, l'animation est chelou. Mais au moins, ça fait le taf, c'est l'important. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir compléter les niveaux de forêt d'été que j'ai pas complété à fond. Hop. On continue. Ah, brasier. Alors vous allez voir, il y a pas mal de niveaux dans le deuxième monde. Il y en a vachement plus que dans le deuxième, que dans le premier. Là, 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 je m'embrouille. Alors, colline de la faille. Ah, je crois qu'à l'origine ça s'appelait colline de faille, donc c'est plutôt une petite correction d'une erreur de français en fait. C'est pas plus mal. Oh, Spiro, bonjour. J'ai des problèmes avec cette porte, mais je pense que de l'énergie d'orbe pourrait la décoincer. Oh, je vois que tu as trouvé pas mal d'orbes. Ouais, parce que les orbes, elles sont magiques. Ils sont magiques, c'est vrai que des orbes, c'est masculin. J'aimerais bien savoir comment ça se fait que le mot orbe, ça fait partie de ces mots où t'arrives pas à te faire à l'idée que c'est un mot masculin et tu l'emploies tout le temps au féminin alors que c'est complètement faux, quoi. Alors, le cône magmatique. Oh putain, le cône magmatique, je me souviens de ce niveau, c'est un vrai cauchemar. Encore toi ? Je peux te laisser entrer dans le petit château en échange de quelques gemmes. Qu'est-ce que tu en dis ? Putain ! Hé, sérieux ? Tu m'as pris pour Rothschild là ou quoi ? Personne n'a franchi ce portail depuis des années. Je ne pensais jamais trouver un pigeon, je veux dire, un client avisé comme toi, Spiro. Non mais dis donc, tu sais ce qu'il te dit, le pigeon ? Tu sais ce qu'il te fait, le pigeon ? Est-ce que le pigeon, il peut faire ça ? Alors, l'oasis ombragée. Et pour tout ça pour quelques joyaux en plus. Il y a quasiment rien. Bon, c'est surtout l'accès au niveau, quoi. Alors oui, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Ah, nous voici à la porte du boss. Spiro, Ripto et Gulp se cachent dans une chambre scellée du château, là-dessous. Pour aller jusqu'à eux, il faudra 14 talismans pour forcer la serrure. Voilà, 14 talismans, faites le compte, on en a 6. Et ça fait 8. Ça fait 8. Ça veut dire donc qu'il y a 8 niveaux dans ce monde, en plus du niveau de circuit. Encore grosso, mais c'est pas vrai. Mais je rêve. Et ça fait la quatrième fois là. J'aimerais te laisser entrer gratuitement sur ce circuit, Spiro. Vraiment? Malheureusement, le règlement m'impose de te faire payer l'entrée. Mais tu fais chier. Bon, heureusement que c'est que 100 gemmes, mais putain. Tu as choisi judicieusement. Je suis sûr qu'un dragon malin comme toi va regagner son argent en un rien de temps. Bon, correction, les circuits de ce monde. Donc voilà, ça veut dire que dans ce monde, nous avons 8 niveaux plus 2 circuits. Rien que ça. Alors par rapport au premier monde, waouh quoi. Alors là, vous vous dites, mais attends, je dis player, il y a un problème. Tu as 0 boule, tu as 233 joyaux sur les 400 de ce niveau, ce qui fait qu'on a complété ce niveau à 19%. Oh, c'est ridicule. Et il n'y a plus de joyaux dans le coin. Eh ben en fait c'est parce qu'il y a quelques petits passages secrets. Regardez par exemple ici. Tiens. Allez, il y a encore un tourbillon là. Donc ramassons tout ce qui peut l'être. Voilà. Ensuite on prend le tourbillon. Et regardez où le tourbillon m'emmène. Au sommet de la tour principale. Et maintenant qu'on est ici, il va falloir jouer du planage. Alors où est-ce que c'est? Non, ça c'est d'où je viens. Ça c'est d'où je viens. Non, ça c'est le portail. Voilà, c'est ici. Vous voyez, il y a le chemin qui fait le tour. Et vous avez vu surtout la plateforme là-bas en face? Eh bien, il va falloir planer d'ici. Et essayer de la voir. Alors, on va essayer de rester bien droit pour bien la voir. Et une boule! Enfin, un orbe!
Il me vaut un petit trophée PS4. Bon, cette petite plateforme là, ça sert à rien d'aller dessus, puisque maintenant je vais aller sur le chemin. Sur le chemin de ronde qui est juste en face. Voilà. Parce que maintenant il va y avoir aussi quelques petits secrets à récupérer ici. Donc déjà c'est pas de ce côté là. Il va falloir que je fasse le tour complet. Et bon, encore un orbe caché. S'il fait qu'on a les deux orbes du niveau, c'est bien. Donc ils sont long vol plané et la fin du mur. Et il me manque 10 joyaux. Hallucinant, il me manque encore une broutille, quoi. Alors on va essayer de refaire un tour rapide. Hey, bon, je soupçonne que le papillon était bleu, mais j'en suis pas sûr et certain, donc je vais pas le... Je vais pas faire style d'être dégoûté, mais bon. J'ai bien peur qu'en fait j'ai toutes les raisons d'être dégoûté. Enfin, c'est pas grave, c'est pas pour une vie. Bon, tant pis, on va faire appel à tes compétences, Sparks. Tu crois qu'il faudrait remonter ? Possible. On va peut-être aller à l'intérieur. Nous allons re-rentrer à l'intérieur du château. Ah oui, c'est vrai, on peut aussi sauter pour essayer de gagner un peu de temps. Je suis sûr que c'est un passage secret que j'ai oublié ou une connerie dans le genre. Ou sinon, il faut que je m'achète une paire de jumelles. Genre sur l'escalier, je l'aurais pas. On sait jamais, je préfère vérifier. Non, mais je suis sûr que c'est une connerie du genre. Il doit y avoir un passage secret là. Que ça... Non. Oh putain, t'es sérieux? Oh sérieux? Sérieusement quoi? Alors, nous avons donc terminé les plaines d'automne en entier à 100%, comme je l'avais dit. Donc, maintenant qu'il nous reste un peu de temps, je ne vais pas démarrer un nouveau niveau. Je vais aller faire un petit tour. Ouais, j'ai à peu près 5-6 minutes à tuer, donc... Déjà, le forêt d'été, je vais voir compléter ça tout de suite. Après, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste. Oui, je préfère revenir en arrière tout de suite et compléter les niveaux qui peuvent l'être. Comme ça, on sera peinard. Oh, mais les temps de chargement, mais sérieux, quoi. Les temps de chargement, pitié. Ah, je reviens ici. Donc maintenant qu'on peut grimper, on va rapidement aller chercher ce qui manque ici. Mais sérieux, j'aurai ce bug à chaque fois. Voilà, donc c'est ici que ça se passe. Elle est où l'échelle? Elle est là. Allez, la boule. Et voilà le travail. Voilà, donc vous avez vu maintenant d'ailleurs les boules s'affichent hein, sur les portails des niveaux au passage. Alors la plage ensoleillée, je pourrais le faire, mais c'est celui qui est le moins complété. Donc celui qui théoriquement va me prendre le plus de temps à refaire. Voilà, surtout qu'il y a deux défis. Il y a deux défis avec les boules qui restent à faire. Donc je vais plutôt aller à lueur. Oui, je peux voyager directement à partir du menu. Autant vous le montrer. Hein.
Autant vous montrer qu'on peut faire comme ça. En même temps, c'est pas comme si la fonction était affichée en bas de l'écran à chaque fois que je suis dans le carnet. Hein. Allez, salut. Bienvenue à Lueur, Spyro. Malheureux. Oui. C'est complètement stupide. Oui, il faut tout refaire, comme regardez, il faut que je tue les ennemis. Parce que les particules d'esprit reviennent à zéro à chaque fois. Quand vous revenez dans un niveau déjà fait, les particules d'esprit des ennemis que vous avez tués sont à zéro. Donc il faut retuer les ennemis pour pouvoir réactiver les super recharges. Et je vais en avoir besoin, donc. Ils sont où les autres ennemis? Et strike! Voilà, je pense qu'il n'y en a plus ici. On va par là. Et quand vous rentrez dans le niveau déjà complété, bah la quête du talisman, faut la refaire. Pour qu'à la fin, il vous redonne le talisman que vous avez déjà. Ce qui est complètement stupide. Bien. Hop. Voilà, ça y est, la recharge est activée. Grimpe en haut de l'échelle. Putain, si c'était pour me dire ça. Enfin, maintenant qu'on peut grimper, on peut venir ici. Super! Tu as réussi à activer le bonus super vol. Tu vas pouvoir allumer les lampes de cette grotte. Ouais, allume les lampes, difficulté 2 étoiles. Alors vous vous souvenez du niveau où du défi où fallait allumer les lampes en faisant le tour d'un gros bâtiment là? Et ben ici c'est la même chose, c'est exactement pareil, sauf que les lampes sont ici. Dans cette grotte. Et que le fait d'avoir accès au super vol me permet de me prendre un mur dans la tronche. Putain, mais je suis nul là. Normalement c'est un défi que j'ai pas de mal à faire en one shot, mais là je suis complètement vautré. Où est la dernière? Elle est là-bas. Ah, elle est là. Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. J'ai bien cru qu'on allait devoir annuler la partie de baseball de ce soir. Tiens, quelqu'un a mélangé cette orbe avec les balles de baseball. Une partie de baseball dans une grotte? T'es sûr? T'es sûr que c'est une bonne idée? Voilà, maintenant, on va pouvoir utiliser la recharge de vol, comme je le disais, pour atteindre la plateforme qui était inaccessible la dernière fois. Ah, c'est pas bon, il en manque. T'es sérieux? Il manque un joyau? Non mais comme d'hab. Comme d'hab, il manque un joyau. Un joyau pour terminer. Alors il est où? Putain, je parierais qu'il est... Attendez. Si j'évitais de me prendre les murs, ça serait bien. Je parie que ce joyau est à l'extérieur et que je l'ai pas vu la fois dernière. Bon, heureusement, faut pas repayer pour avoir un pont. Hein. Casse-toi, meurs. Spyro, merci de nous avoir aidé à combattre les lézards. Ouais, ça, redonne-moi le talisman que j'ai déjà. Ce portail magique que tu vois ici. Oh, quel dommage! Tu as déjà obtenu ce talisman! C'est con ce qui t'arrive! Alors, je parie qu'il est là-bas, le... Je parie qu'il est quelque part ici, ce joyau que j'ai pas pris. What? Oh non, toi je veux pas te parler. Je m'en fous du lézard. D'accord. À la recherche du joyau perdu. Et ça tombe, vous l'avez peut-être déjà vu et vous êtes en train de vous dire: mais non, je dis player, c'est par là! C'est par là, espèce de douille, ça fait 10 minutes que je l'ai vu le joyau et toi tu le vois pas! Pardon.
Voici Delin dans la première section du niveau. Ou bien George l'aurait oublié en venant ici. Attends, on va vérifier. Non, ici, il manque. Mais si, il est là, putain. Mais t'es sérieux, quoi. Voilà, niveau lueur terminé à 100%. Bon, allez. Je vais être sympa. Je vais quitter le niveau à la loyale. Salut. Ouais, c'était pas obligatoire de nous remettre la cinématique, hein, mais bon. Voilà, ce qui terminera cet épisode de manière fort sympathique, puisqu'on aura vu pas mal de niveaux quand même. Mais la question que je me pose, c'est on peut réaffronter Crush pour essayer de choper le point de compétence et le trophée que j'ai pas pris? Là, c'est la question en or massif, ça. Voilà, donc nous voilà ici. Donc la prochaine fois, on va finir le monde de forêt d'été complètement à 100%. Puisqu'il nous reste seulement un truc. Mais alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu te fais chier à y aller en sachant que quand tu vas relancer la sauvegarde, tu seras... Vous inquiétez pas, je vais prendre les devants. Donc voilà, ça, la plage ensoleillée, comme vous pouvez le voir, c'est le seul niveau de forêt d'été qu'il reste pour que ce monde soit complété à 100%. Ce qui fait qu'après, bah, le temps de faire ça, les deux défis, les jeux qui manquent, ça devrait pas prendre un temps fou. Donc ensuite, on pourra s'atteler aux plaines automnales à fond, quoi. Voilà. Donc je vais me rendre dans les plaines, dans la plage ensoleillée. Comme ça, je vais pouvoir vous arrêter là pour cette vidéo, et quand je reprendrai la sauvegarde pour le prochain épisode, et ben je serai déjà dans le bon niveau. Je n'aurai pas à retraverser forêt d'été pour commencer l'épisode. Voilà, ça s'appelle optimiser. Voilà, j'optimise mes tournages. Oui, bon, désolé, je passe parce qu'on les a déjà vus, les cinématiques, c'est bon. Voilà. Donc on est ici et c'est à cet endroit qu'on commencera le prochain épisode pour le terminer. Terminer ce niveau, pardon désolé, terminer ce niveau à fond comme ça, forêt d'été, on n'y aura plus à y penser. Voilà, donc on s'arrête là-dessus pour cet épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine.